Hello la famille Italie, je suis très heureuse de vous retrouver, mais très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, chez moi ça va. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. À toutes les nouvelles abonnées, et bien nous sommes heureux de vous recevoir dans notre famille Italie Beauty. Pour toutes les personnes qui me suivent déjà, je vous dis encore un grand merci de me soutenir, de liker mes vidéos, de commenter et de partager. Si vous êtes de passage sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ça va vous permettre d'être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Aujourd'hui, on va parler de la gamme Françoise Bedon Royal Multivitamine. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé mon avis sur cette gamme-là. Et bien, j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui sur celle-là. Alors, ce lait-là, c'est un bon lait. Dans le sens où, si c'est fait à base de produits naturels, c'est ce qu'ils ont marqué sur leur boîte, sur leur bouteille. Si vous cherchez à avoir des teintes, beaucoup des teintes, et ben ça va pas être avec ce lait là. Alors là, non, c'est pas un lait qui donne des teintes de ouf, ou enfin beaucoup de teintes, non, c'est pas avec ce lait là. Lui, c'est un lait qui unifie, c'est un lait réparateur. Le lait royal, c'est le meilleur, je pense, de François Bedon. Ce lait-là, il va juste venir vous réparer, il va venir unifier. Donc, c'est bien, par exemple, pour des personnes qui perdent des teintes quand elles sont enceintes, parce que des fois, on a des masques et tout, on peut perdre des teintes et tout. Ça, c'est bien, parce que ça va venir te donner des teintes tout doucement. Après, pour des personnes aussi qui ont, par exemple, beaucoup de taches et qui ne veulent pas prendre beaucoup, beaucoup de teintes, ça, c'est une crème qui va unifier. Ce qui est bien dans cette gamme-là, c'est qu'elle unifie. Mais il faut être patiente. Il faut être patiente avec cette gamme. Il faut aller, mais c'est doucement, mais sûrement. Ça va donner des résultats, mais tout doucement. Après, le lait tout seul, non. Vous n'allez même pas une teinte. Le lait tout seul, bon, on va dire une teinte, mais pas plus. Le lait tout seul, non. Il faut toujours booster. Cette gamme-là, il faut la booster. Il faut la booster pour avoir des résultats. Si vous voulez gagner plus de teintes, eh ben, vous la boostez. Si vous voulez vraiment plus de résultats, il faut booster cette crème. Après, je vous dis toujours, chaque peau est différente. Il y en a qui vont apprécier, il y en a qui ne vont pas apprécier. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si je vous ai dit cette phrase-là, c'est par rapport à l'odeur. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'odeur. Il y en a aussi qui disent qu'ils aiment bien. Donc, sur ça, je ne veux pas trop vous donner mon avis sur l'odeur parce que c'est facultatif. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais en tout cas, cette crème-là, pour que vous gagnez plusieurs teintes, ce n'est pas tout seul comme ça là qui va vous donner des teintes. Il faut booster soit avec un sérum. C'est mieux de mettre des sérums dedans. Vous allez couper votre lait en deux. C'est-à-dire vous allez prendre la moitié de votre lait. Vous allez venir mettre deux sérums dedans. Soit deux sérums de Françoise Bedon de la même gamme. Ce qui est bien aussi. Ça donne des bons résultats aussi quand on met ces deux sérums. Ou alors, vous allez prendre votre sérum préféré. Comme Bébé Clair. Ou alors une bouteille d'acide de fruits. Comme Teint Diamant, Teint Banane. Il y a énormément d'acides de fruits qui sont bien aussi, que vous pouvez mettre dedans pour venir booster votre lait. C'est un lait, si vous voulez des teintes, il faut la booster. Bien sûr, avoir une routine derrière. Je ne dis pas de venir prendre des trucs, des tubes à base de CL ou à base de Corti. Non, pas ça. Parce que ça, je vous conseille pas ce genre de tube-là. Ceux qui ne sont pas à base de produits naturels, ce n'est pas bien pour la peau. Surtout, mais je ne veux pas vous interdire vraiment parce qu'il y a des gens qui sont tellement habitués à ça. Mais surtout,
contre, ces produits-là, quand vous vous exposez au soleil, ça donne des dégâts, mais à un point inimaginable. Mais des fois, je vois des peaux, je dis, mais comment vous avez, comment cette personne a pu arriver là, quoi. Donc, j'ai pas dit de mélanger les tubes, là, pharmaceutiques, là, les tubes à base de CL ou à base de corti. Non, pas ça. Vous mettez vos sérums, parce que je vous ai expliqué sur une de mes vidéos, je vous mettrai le lien de la vidéo, l'importance des sérums. C'est très important, les sérums. Surtout pour le visage. Les sérums, ils sont là pour venir booster votre lait. Il est là. Il existe plusieurs sortes de sérums. Les sérums, ce sont des soins. Ils sont très forts. Ils sont là pour venir traiter. Alors, quand vous allez faire votre mélange, les mélanges que vous allez faire sont à utiliser le soir. Ce n'est pas à utiliser dans la journée pour aller s'exposer au soleil. Non. Non, non, non. C'est que pour le soir. Bien sûr, il faut avoir une très bonne routine. Il faut être constante. Il faut être constante. On ne met pas un produit une semaine et on lâche. Déjà, notre peau, pour se régénérer, il faut entre 2 semaines à 3 semaines. Donc, pourquoi tu vas utiliser un produit une semaine et tu vas te dire non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être constante, il faut être patient. C'est ça. Donc, quand vous allez, ce lait-là, comme je vous ai dit, tout seul, je ne pense pas qu'il vous donnera des résultats. Non, 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 il ne donnera pas des teintes. Il va peut-être venir améliorer la texture de certaines personnes, mais il ne donnera pas des teintes. C'est un lait qui, vraiment, quand vous le mettez, vous voyez qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines, la texture de votre peau s'améliore parce qu'il est réparateur, parce qu'il unifie. Il unifie. Vous allez chercher la différence. Unifier, c'est qu'il va donner la même teinte à votre corps. Mais il ne vous donnera pas beaucoup de teinte si vous ne la boostez pas derrière. Si vous ne la boostez pas derrière, ne vous attendez pas à avoir 2-3 teintes. Non, il faut venir la compléter avec une bonne routine, avec un bon mélange. Donc vous mettez vos sérums dedans, ou une huile, ou une glycérine, ou des concentrés de fruits. Vous venez mélanger et vous l'utilisez le soir. Comme je vous dis toujours, le matin, on hydrate sa peau, on profite pour hydrater sa peau. Ou alors, vous pouvez prévoir 2 jours par semaine pour venir traiter votre peau. Donc, les 2 jours-là, eh ben, ça va être que hydrater, hydrater et hydrater. Donc, ce lait-là, il est bien aussi, mais avec son sérum. Vraiment, pour avoir des bons résultats, achetez aussi son sérum avec. Ou bien, si vous ne prenez pas son sérum, vous prenez votre sérum à vous que vous aimez. Pas à base de HQ, parce que le HQ, moi, je dis, quand on ne sait pas l'utiliser, ce n'est pas la peine de s'aventurer dans ce genre de produit. Parce que sinon, ça crée aussi des dégâts. Alors, pour avoir des résultats avec cette crème-là, il faut être patient. Il faut attendre au moins 1 mois, minimum, hein, minimum. Au moins 1 mois, 1 mois et demi, vous allez commencer à voir les effets. Si vous le boostez, on va dire, bon, 1 mois, ouais, 1 mois, 3 semaines, ça dépend du sérum que vous allez mettre dedans. Là, vous allez commencer à voir que votre teint, il va s'unifier, il va avoir du glow, il va vraiment être bien. Pour les personnes qui veulent juste apporter du glow, le lait tout seul, il peut. Mais si vous voulez monter d'une teinte, rajoutez au moins le sérum. Si vous voulez plus, vous mettez soit vos sérums préférés, ou soit vous mettez une huile, ou soit des acides, un acide de fruits, des trucs comme ça. Et bien sûr, vous avez des soins. Il faut chouchouter notre peau. Il faut chouchouter notre peau. Tout produit qui donne des teintes là, tous nos produits qu'on met des teintes, qui donnent des teintes, quand on les met, on ne s'expose pas au soleil. Déjà, le soleil, même quand quelqu'un ne met pas de produits qui donnent des teintes là, eh ben, on ne s'expose pas au soleil. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas notre ami.
ce n'est pas notre ami le soleil. Alors, il faut toujours se protéger quand on s'expose au soleil. Vous hydratez bien votre peau, surtout si le soir vous utilisez derrière, parce que vous savez bien que pour la bonne pénétration des produits, l'exfoliation est très importante. On ne s'exfolie pas aussi n'importe comment. Si par exemple vous utilisez tout simplement un savon exfoliant, eh ben, dans la journée, essayez de chouchouter votre peau, essayez de la peau, de la nourrir, de l'hydrater. Essayez donc de faire le maximum dans la journée. Vous utilisez soit un sérum hydratant, ou soit il y a beaucoup de soins pour chouchouter la peau. Et le soir, maintenant, vous allez venir mettre votre savon exfoliant ou votre mix de savon ou tout ce qui va vous donner les teintes, c'est le soir. La journée, profitez pour la chouchouter, pour la donner des soins, pour la booster, pour booster l'élasticité de la peau. Plus votre peau, elle va bien se porter, mieux vous allez voir des résultats. Donc voilà, mes chéris, ce que j'avais à dire sur cette gamme-là. Je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous aime très, très, très fort. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.